Nouveau tuto aujourd'hui, on s'attaque à la réalisation d'un classique fond vert. Ça tombe bien, je n'en ai pas encore pour mes vidéos. Cependant, comme je ne suis pas très riche, on va tâcher de faire ça pour pas cher, c'est-à-dire moins de 40 euros. Allez, on voit les plans. Cette réalisation n'est pas particulièrement compliquée, il nous faut d'abord construire deux cadres en tasseaux de bois qui s'articuleront avec des charnières. Au départ j'avais pensé n'en faire qu'un seul mais ça aurait été un peu compliqué à transporter alors que là on peut le plier en deux. Il suffit ensuite de fixer une pièce de tissu vert dessus en faisant attention à ne pas faire de plis car oui il faut que ce soit bien uniforme pour que le fond vert fonctionne correctement. Dernière remarque, j'ai choisi d'utiliser du tissu et non du bois peint car c'était un peu plus dans le budget et surtout c'était moins lourd. Pour la fabrication, il nous faut donc 4 tasseaux de bois de 2,4 mètres de long, c'est pour faire les cadres. Il nous faut également une pièce de tissu de 1,10 m de large sur 3 m de long, moi c'est du 100% polyester et il est vert, c'est plutôt logique. Il nous faut également des équerres, des vis, des agrafes, bref de la cacaillerie diverse. Le total fait 36,44€, c'est dans le budget. Commençons le bricolage tout de suite avec la découpe des tasseaux pour faire les cadres, alors rien de bien compliqué, si ce n'est qu'il ne faut pas se tromper dans les mesures bien sûr et tâcher d'être assez précis. Donc allons-y, on va faire nos mesures tranquillement. Bon, l'étape 1 c'était la découpe des tasseaux, c'était l'étape facile. L'étape 2 c'est un peu plus compliqué, il s'agit donc de visser tout ce qu'il faut ensemble au moyen de ces petites équerres métalliques que j'ai achetées. C'est un peu moins facile qu'il n'y paraît, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner quelques petits conseils pour y arriver un peu mieux que moi. Déjà n'hésitez pas à vous faire aider parce que vu avec les dimensions avec lesquelles on travaille, c'est un peu difficile de tout tenir, premièrement. Deuxièmement, quand vous vissez une équerre, ne vissez que les vis qui sont les plus proches du coin et faites avec les 4 équerres. Pourquoi ? Ça va vous permettre d'avoir un cadre qui soit bien plat. Il va falloir vérifier qu'il soit bien plan en l'appuyant sur une surface plane comme un mur ou un sol par exemple. Et vérifier donc que tout est bien d'équerre parce que sinon il va falloir ajuster le cas échéant. Et si vous avez tout vissé, vous allez bien galérer. Voilà, donc je vous dis ça avant de tout visser, histoire que vous ne fassiez pas la bêtise. Étape intermédiaire que je ne vous ai pas montré, j'ai fixé une charnière ici, une ici que vous ne voyez pas et une dernière là-bas. Je les ai fixées hors caméra parce que la manipulation est un petit peu, pas compliquée mais on va dire ardue, car les cadres sont assez grands, il faut arriver à les faire tenir l'un sur l'autre, donc j'ai fait ça hors caméra pour être tranquille. Mais rien de bien compliqué au final, donc 6 vis à chaque fois. Voilà, donc maintenant on peut refermer notre cadre, je vais peut-être pas le faire ici parce que c'est pas très pratique avec la caméra, je vais cogner. Mais voilà, ce sera plus pratique pour le transport. On va passer à la pose du tissu maintenant. Pour fixer le tissu sur les cadres, j'utilise une agrafeuse. L'opération est un petit peu moins facile qu'elle n'y paraît, car il faut tendre le tissu, mais pas trop, afin d'éviter les plis. Vous noterez au passage que j'utilise la face mate du tissu pour faire le fond, et non sa face brillante. En fait, je prends l'envers. Pourquoi ? Car l'autre me semblait un petit peu trop brillante, et j'ai peur qu'elle fasse des reflets. Voilà, j'ai posé le tissu, maintenant c'est presque terminé, il nous reste une dernière chose à faire à laquelle on ne pense pas forcément. Il va nous falloir mettre des petits anneaux à visser dans le bois ici pour tout simplement mettre après dedans un clou. Comme ceci, le but en fait c'est d'éviter que l'écran ne se referme. Que le fond vert en fait ne se referme après lorsqu'on va le poser contre le mur. Parce qu'il n'a qu'une envie bien sûr avec les charnières, c'est de plaque, de se refermer. Du coup on va mettre ça juste pour le caler, histoire que ça ne bouge plus. Ce coup-ci, c'est officiel, je n'ai plus de doigts, force d'avoir vissé, ça fait quand même mal à la main. Bon, bah du coup, le fond vert est terminé, vous voyez qu'il tient bien, c'est bon, c'est parfait. Je pense que ça peut donner un résultat pas mal, justement, ça tombe bien, on va le tester. Pour l'instant, je suis encore chez moi devant un simple fond vert avec mon t-shirt Dark Vador et Bull Disco, mais montage, on peut remplacer ça par à peu près ce qu'on veut, en fait, par exemple, je sais pas, une forêt. Oh, magie du montage. Ou alors sinon, on peut aller dans l'espace. Pas mal ça, c'est pas mal. Par contre ça manque un petit peu d'oxygène. On va revenir à un endroit un petit peu plus classique. Voilà, donc les possibilités sont à peu près infinies. Voilà, c'était un reportage signé Mr. T. De la science à présent, les castors lapons sont-ils hermaphrodites? Eh bien, une équipe danoise serait sur le point de répondre à cette question existentielle. Voyez ce reportage réalisé par Stéphanie Pelletier et Bruno Le Chauve. Stop, 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 on s'arrêtera là.
À présent, au boulot! Je serai ravi de voir vos réalisations suite à ce tuto. Je vous propose de poster les photos sur ma page Facebook, ma page Google+, ou encore mon compte Twitter, je les regarderai avec grand plaisir, ainsi que vos améliorations. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait pour voir les prochains défis et les prochains tutos. Et pour ce qui est de l'incrustation dans votre logiciel favori, une petite recherche sur internet saura vous aider, je pense. Ou alors sinon, on voit ça une prochaine fois. Bye !